Salut tout le monde, c'est X-Rouge et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et cette fois-ci, je vais vous présenter Zombie Army Trilogy sur PlayStation 4. Donc, on va diviser la vidéo en deux parties comme d'habitude. Je vais vous présenter un petit peu le menu, de quoi il en retourne, et vous expliquer brièvement ce qu'est Zombie Army Trilogy. Puis ensuite, on fera une petite mission pour voir de quoi il en retourne. Donc, le jeu, bon, voici le menu. Il nous propose donc du coup une campagne. J'en oublie presque le béaba, édité et développé par Rebellion. Cette fois-ci, on sort le 505 Game Studio des éditeurs pour que Rebellion puisse s'attitrer tout le jeu et ainsi faire donc, du coup, la suite des modes coopératifs Nazi Zombie Army qui étaient ajoutés au jeu Sniper Elite. Voilà, donc je vous précise qu'il s'agit des contenu additionnel de Sniper Elite mis en un seul CD. La particularité, pourquoi en avoir fait un CD? Car il rajoute du coup le troisième chapitre en fait du jeu. Comme vous pouvez le voir, voilà, on avait déjà accès précédemment aux Zombie Army 1 et 2. Le troisième vient d'être rajouté pour un total d'une, je crois que c'est une quarantaine d'euros à peu près. Voilà, vous avez du coup les trois épisodes Zombie Army de la saga Sniper Elite, à savoir que un chapitre, donc il y a 5 chapitres par épisode, et un chapitre doit faire environ, je dirais, 45 minutes. Donc, ce qui fait un jeu avec une durée de vie plutôt agréable quand même. Donc, si on doit compter 45 minutes tous les 5 chapitres, on va y passer quand même un petit peu de temps. Jouable en 4 en coopération. Toujours avec une difficulté que l'on peut choisir. KD, Tireur d'élite et Sniper Elite, vous l'aurez compris, facile, normal, difficile. Puis sinon une configuration personnalisée des ennemis. C'est-à-dire une configuration qui peut s'adapter au nombre de joueurs dans la partie via le nombre d'ennemis. Toujours à la sélection des personnages, nous retrouvons Carl Ferben, qui est le héros de la saga Sniper Elite, puis notamment d'autres joueurs, enfin d'autres personnages qui sont apparus dans les anciens Sniper Elite, comme par exemple voilà, le docteur Ephraim Schweiner, qui on a dû l'aider dans Sniper Elite 3, si je me souviens bien. Puis ensuite, donc voilà, vous avez les différentes nationalités, donc vous avez l'armée rouge, il y a aussi les soldats allemands et leur équivalent féminin dans voilà, que vous pouvez choisir comme personnage pour personnaliser la partie. Je vous ai dit jouable en coopération, donc vous pouvez aussi faire une partie rapide pour trouver des joueurs en matchmaking ou carrément inviter vos amis, bien entendu. Le mode Horde, bien entendu, qui est qualificatif du jeu Zombie Army, c'est le système tout simplement de vagues. Voilà, vous avez plusieurs niveaux avec des ennemis qui arriveront en surnombre. Plus vous passez de vagues, plus ils arriveront en surnombre pour avoir une supériorité numérique par rapport au nombre de joueurs. Vous pouvez bien sûr, voilà, vous avez 5 niveaux dans le mode Horde, mais je ne vais pas m'attarder dessus. Je vais plutôt faire une partie de campagne en coopération avec un de mes amis. Donc, ensuite, je vous parlerai un petit peu du jeu, de l'histoire, pour voir de quoi il en retourne. Sur ce, je vous dis à de suite, ne quittez pas. Re tout le monde. Alors, je suis en compagnie de Rome642 qui a bien voulu m'accompagner pour faire ce mode coop. Donc, je l'en remercie d'avance. Je parle en ce moment avec lui, mais comme la PS4 ne nous le permet pas, comparé à la technologie que nous proposait la PlayStation 3, on ne peut pas mettre des voix dans les vidéos enregistrées par un HDPVR, donc voilà, s'il me dit quelque chose d'intéressant, je le dirai durant la vidéo. Donc voilà, nous sommes dans le mode coopération et en horde, comme je vous l'avais dit. J'ai décidé du coup de prendre l'une des missions du troisième chapitre, parce que c'est un petit peu la nouveauté que peut nous proposer Zombie Army Trilogy. On avait déjà affaire aux deux premiers volets. Le troisième est complètement nouveau, donc autant montrer un petit peu de nouveauté. C'est un... pour ceux qui ne connaissent pas Zombie Army, c'est un mode... Enfin, ça ouvre une autre perspective de ce que l'on peut connaître de tous les zombies. Enfin, on sait qu'il y a donc du coup du mode avec des vagues, etc. Une histoire avec différents thèmes sur les zombies, mais là, j'ai envie de vous dire qu'on refait un pseudo mode solo de Sniper Elite avec que des zombies, et c'est plutôt sympa, il y a différentes choses à faire. Voilà, il faudra survivre pendant quelques temps, faire
faire un nettoyage de zone. Enfin, il y a plein de petites choses à faire et c'est assez sympa. On ne fait pas que casser du zombie tout mou, comme vous pouvez le voir. Il y en aura plein d'autres, comme des zombies qui... Salut toi. Hop là. Qui... Enfin, voilà, des zombies à la... qui font des flammes, des zombies armés de M60, en fait, c'est vraiment... voilà, il y a différentes catégories de zombies, il y a des squelettes aussi, enfin bon... Bref, je vais vous parler donc plus brièvement de quoi il en retourne pour ce qui est de l'histoire de Zombie Army. Il faut savoir que ça se passe du coup en 45. Hitler sait qu'il va perdre. On voit un plan au début de Hitler dans son bunker qui se fait envahir du côté est de l'Allemagne par l'URSS et du côté ouest par les États-Unis, l'Empire britannique ainsi que la France. Et tout le monde dit bon, mais qu'il faut fuir l'Allemagne, etc. Et lui dit non, on va activer le plan C. Donc qu'est-ce que ce plan C? Donc voilà, c'est... Tous les scientifiques ont fait des expériences sur les cadavres de soldats allemands morts au combat, ben, reviennent à la vie et Hitler a à nouveau une nouvelle armée. Le jeu nous proposera à la fin du chapitre 3 de battre Hitler en personne en mode zombie. Donc voilà, il sera décédé, mais voilà, on aura des pouvoirs surnaturels. Bon, voilà, c'est tiré par les cheveux, certes, mais il me semble que j'ai vu un sniper. Oui, je t'ai vu. Donc dans le mode coop, on ne voit pas l'effet bullet time X-ray. Sauf que dans le mode solo, vous l'aurez, si vous faites ce même mode de jeu. Mais voilà, en coop, on ne peut pas, parce que vous savez, le bullet time, c'est du ralenti, on ne peut pas être mis en même, enfin, à la même fréquence de vitesse que notre teammate dans la partie, quoi. Donc du coup, ça ne pourrait pas être bien superposé. Bon, j'ai l'impression qu'il y a une nouvelle voie qui s'est ouverte. Un nouveau chemin, il va falloir encore péter du zombie. Bon, ça, ce sont les zombies en feu. Dès qu'on va retirer une balle, ils deviennent plus que de la fumée, ils peuvent pas nous attaquer, donc ils sont pas bien dangereux. Ça veut dire qu'il y a... Voilà, il est là. Un zombie qui fait des flammes. Donc la technique pour le tuer, elle est simple. Une fois qu'il invoque des zombies, il n'est plus en flammes. Et là, du coup, il faut le boriner. Mais après, il faudra rester un petit peu écarté. Voilà, parce qu'il explose. Donc eux, ils sont assez faciles à tuer s'ils font l'invocation au bon moment, sinon parce qu'ils restent pendant je sais pas combien de temps comme ça. Ils sont invulnérables quand ils sont en flamme. Différentes méthodes du coup pour tuer les zombies, comme vous pouvez le voir. Ce qui est bien avec le CD de Nazi Zombie, c'est que le 1 et 2 que je trouvais légèrement graphiquement un petit peu moins beau que Sniper Elite 3 en question, ben ont été remodelés graphiquement pour qu'ils soient à l'identique. Donc du coup, ce que vous voyez là dans le chapitre 3, qui est censé être le zombie nazi le mieux développé, parce que c'est celui qui, en somme, est sorti... Je n'ai même pas d'ailleurs dit la date de sortie officielle du jeu, c'est le 6 mars 2015. Donc voilà, là, pour un jeu qui est sorti le 6 mars 2015, nous avons en fait un chapitre 1 et 2 qui est graphiquement identique à celui-ci, qui est le chapitre 3. Donc c'est plutôt sympa, ça donne vraiment goût et saveur au jeu. Bon, là, faut le tuer. Voilà. Donc, comme mon partenaire ici présent m'entend en même temps, il se charge de faire les deux trois petites choses. Sinon, franchement, je le trouve vraiment sympa. Je vous ai dit, ça offre une nouvelle perspective. On peut avancer, c'est vraiment de la coop. Et puis, les missions sont longues, c'est ça qui est cool. Difficulté quand même qui est assez osée, que ce soit en mode facile, normal ou difficile. Vous verrez quand même que l'écart est flagrant quand on monte de difficulté. Et que la difficulté est quand même osée pour le mode facile. Enfin, personnellement, je trouve... Vous avez toujours, bien sûr, la chose caractéristique... Le Easter a trouvé du jeu, donc qui sont les lingots et les bouteilles de sang, où est-ce qu'il faut tirer dessus. Toujours présent pour ceux qui veulent earn le trophée. Bon, par rapport à un trophée de The Order, le trophée de Zombie Army est un petit peu plus dur à obtenir, parce que voilà, il faut faire quand même des choses assez, assez tendues pour obtenir le trophée platine, mais bon, voilà, ça fait partie des éléments et des objectifs à remplir. Salut toi. Voilà. Voilà, ça reste identique au chapitre 1 et 2.
pour ceux qui ne le savent pas, entre-temps, vous aurez des safe zones, hein, où est-ce que vous pouvez aller pour refaire vos munitions, échanger d'armes si vous le voulez. Vous choisissez votre arme principale, secondaire et votre arme de poing. Là, vous avez tout l'arsenal des fusils en arme principale du jeu. Comme je vous rappelle, c'est un jeu de sniper, donc vous n'aurez que des fusils à verrou à lunettes. Ou enfin, oui, si, il me semble qu'il n'y en a que à verrou. Ou il doit y en avoir un en automatique, mais bon, beaucoup plus faible. Différents fusils donc qui s'inspirent des différentes technologies de chaque pays. Vous avez le Lee Enfield pour l'Angleterre, vous avez le Kar 98 et le Gewehr 43 pour l'Allemagne, le Garand M1 pour les forces américaines. Hop là, un penseur. Antalgique, yes. Un penseur, en fait, ce sont des zombies qui ont un bandeau sur les yeux. Et en fait, ils ont toujours mal à la tête et ils créent des zombies. Ouais, non, ça faut pas les tuer, tu peux avancer. Donc, comme je vous ai dit, voilà, j'entends mon partenaire en même temps. Ce qui va être intéressant à partir de maintenant, c'est ce qui va arriver après le pont. Parce que, bon, j'ai fait brèvement. Pas mal de missions du jeu en solo et celle-ci comme je l'ai brèvement survolé, il y a un ennemi qui nous attend après ce pont. C'est pour ça entre autres que je tenais à faire cette mission pour vous montrer un petit peu au plus possible les nouvelles choses qui peuvent y avoir dans Nazi Zombie. Dans le 1 on sait qu'il y a une certaine catégorie de boss, dans le 2 viens voir, ouais, c'est là voilà, tu tires sur lui et ça enclenche la bagnole. Et du coup, vous avez un nouvel ennemi, un nouveau boss qui n'apparaît que dans le chapitre 3 et il va arriver de cette base. Donc là, comme je vous ai dit, vous choisissez du coup votre arme principale, votre arme secondaire, c'est ou un fusil à pompe ou des armes automatiques. Donc vous aurez la Thompson, la MP40, la STG44. Et en arme de poing, vous aurez différents, des flingues, etc. Voici le méchant en question, une espèce de Das Nemesis avec une tronçonneuse. Donc là, on utilise vraiment tous les explosifs au possible. Il faut lui faire vraiment mal parce que lui, il est impossible. Non, tu vois, il crève pas. Il crève pas. Non, mais là, du coup, ça va être le jeu du chat et la souris, sauf que le chat, ben, il est prêt vraiment à nous découper la gueule. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, donc ça ajoute quand même un léger stress quand même de voir qu'il y a un mec qui encaisse vos balles et qui se fait démonter, enfin, tu peux pas le démonter, en fait. Merde, il sera trop loin. Ah. Hop, allez, mine. Mine antipersonnelle. Allez, voilà. Qu'il arrive, le con. Ah oui, il marche dessus en plus. Yes. C'est qu'il est toujours debout, le corneau. Putain. Ah, le Fritz, là, il faut le défoncer. Hop là, la TNT. TNT, qui, je vous rappelle, est l'explosif le plus puissant du jeu. Je pense que la TNT a été créée que pour ce monstre. Yes, ça y est. Objectif terminé. Eh ben, voilà un boss de tuer. Mais le jeu ne s'arrête pas là. Vous voyez, il y aura un objectif. Il faut aller d'un point A à un point B. Donc voilà, vous aurez bien sûr des fois des boss qui peuvent arriver pendant les scènes de jeu. Ce n'est pas un boss à la fin, etc. Croyez-moi, le moment de la fin, c'est toujours un espèce de contre-la-montre. Faut péter une horde, et ils sont vraiment... La supériorité numérique est incomparable. Franchement, c'est un truc de malade, quoi. C'est impossible. Comme je vous ai dit que les missions, quand même, sont tout de même assez longues, un joli totem... de personnes vivantes. Je ne continuerai pas, enfin je vous montrerai pas la fin de la mission, mais voilà, je vais me stopper en plein milieu parce que voilà, ça ferait un petit peu long d'avoir une vidéo d'une trentaine, quarantaine de minutes, parce que je vous ai dit que les missions sont assez longues, franchement. Puis en plus, le jeu s'adapte en fonction du nombre de joueurs qu'il y a en coopération, donc on a un nombre de zombies équivalent pour 2 joueurs. Alors imaginez, en coop, on peut monter jusqu'à 4 joueurs. Vous voyez, enfin, vous allez voir, hein, parce que des zombies, il va y en avoir, et là, je sais que c'est un moment qui pique un peu, quoi. Donc, de ce fait... Ah, mais voilà, je me disais aussi. Voilà. Ah, il y a des snipers en haut. Merde, je l'ai raté.
Oh, mais tu vas arrêter. Oh putain, il y a trop de monde. C'est un truc de fou. Il suffit qu'on vise 2 secondes. Merde, ok. Bon, ben attends, je vais essayer de voir ce que je peux faire. Je vais faire le ménage à la grenade. Ah ouais, mais il me casse les couilles ce snipe. Je pourrais rien faire sans. Voilà. Alors attends. Combien de secondes il te reste? Ok. Bon, 35 secondes. Faisons le ménage. Ah, des kamikazes. Salut. Oula. Dans les kamikazes, une fois qu'ils sont à proximité, ils dégoupillent leurs grenades à fragmentation, les bouffent, les croquent le manche, et se donnent à Dieu, en mode position Jésus, les bras écartés, le corps en croix, et ils explosent. Hop là, voilà. À moins qu'on les tue avant, et que ce soit la grenade qui se dégoupille d'elle-même, enfin, voilà, qui explose un peu après. Il va falloir quand même que je me dépêche, parce que sinon, tu vas crever. Magnifique, 3 secondes avant la mort. Je suis le sauveur de ces dames. Enfin voilà, comme vous pouvez le voir quand même, c'est assez chaud. Après, bon, bien sûr, je dois vous l'avouer, c'est un jeu qui sera néanmoins légèrement répétitif, parce qu'une fois qu'on connaît tous les zombies, etc., on sait que c'est pour aller d'un point A à un point B. Pas de linéarité, mais bon, vous aurez différents endroits. Le background change, donc c'est le seul point sur lequel on peut s'appuyer pour dire que, au moins, certes, si c'est répétitif, vous ne le ferez pas dans le même cadre que le tableau précédent. Ça, c'est une éventualité. C'est un point quand même qui est à noter pour ne pas dire que le jeu peut être répétitif. Néanmoins, c'est un jeu qui n'a pas eu une grosse communication. Pas beaucoup de pubs sur le jeu. C'est uniquement parce que je suis fan des zombies que j'ai acheté ce jeu et que je suis aussi un fidèle follower de la saga Sniper Elite. Carl Fairburn, il est awesome, les gars. Et figurez-vous que dans le point de vente où je me suis rendu pour me le procurer, eh bien, ils n'en ont commandé que 3 unités. Je dis bien 3 unités. Et donc, quand je suis allé le récupérer, ben, figurez-vous qu'il en restait encore 2. C'est pour dire. Donc, à la base, oui, pourquoi? Parce que Zombie Army, ce sont des DLC que l'on peut directement télécharger. C'est la première fois qu'on l'a en CD. Je n'ai pas envie de vous dire de bêtises, mais il me semblait que le 1 et le 2 n'étaient disponibles que sur PC. Et c'est le premier Zombie Army que l'on a en version physique sur 360 et PlayStation 4. Donc voilà, c'est une nouveauté, et c'est parce qu'on n'a pas eu l'habitude de connaître la console qu'on a un jeu qui est si peu produit. Voilà pourquoi. Donc après, c'est pas parce que il a eu une mauvaise communication qui n'est pas mauvais. Il a eu une note, bon, les sites français ne l'ont pas noté, pas eu de test encore, mais bon. À chaque fois je vous dis que je fais une moyenne des différents sites, je vais vous dire en fait sur quel site je me rends. Il s'agit de Game Rankings. Je pense que, enfin, je trouve pour ma part que c'est un site qui reflète bien la réalité, parce qu'il compare énormément de sites, pas souvent français, plutôt anglais, américain et japonais, mais ça fait quand même la majeure partie du travail, parce qu'il y a énormément de sites qui sont comparés. En moyenne, c'est une 50aine de sites qui sont comparés pour faire une moyenne sur 100. Là, il a eu 65%, donc ce qui veut dire qu'il a une moyenne de 13 sur 20 généralement. C'est pas une moyenne quand même dégueulasse pour un jeu. Sniper Elite n'a pas connu des notes faramineuses, mais bon, pour un mode zombie, je trouve que ça respecte bien. Pas fonction de respecter le scénar, parce que c'est quand même une seconde guerre mondiale revisitée, on peut se le dire. Mais voilà, on n'est pas, ce n'est pas parce que Sniper Elite 3 se passait à Tobrouk, près de la frontière libyenne, etc., que le mode zombie va nous suivre en Afrique, etc. Là, on reste vraiment dans le cadre, nous sommes à Berlin, nous devons libérer Berlin de cette malédiction. Je trouve néanmoins quand même que c'est plutôt sympathique, ça tient ses promesses. On va de safe zone en safe zone, on est bien content que de retrouver une safe zone, parce qu'on se dit qu'on va pouvoir souffler un petit peu. Pour ma part, moi j'y reste des fois un petit peu de temps, manière de faire une pause, etc. Par contre, le jeu est très critique sur la non-jouabilité. Si par exemple vous êtes en coopération avec des amis tout simplement, ou même un système de matchmaking avec des inconnus, une inactivité repérée par le jeu. Une inactivité de... J'ai envie de vous dire...
Oui, alors attends, ça, tu les vois là? Là, tu vois, il y a une poulie, il faudra y tirer dessus. Parce qu'on a un deuxième boss à la tronçonneuse qui va arriver. Et c'est le seul moyen que j'ai trouvé pour le tuer parce que j'ai galéré en fait quand j'y étais. Oui, donc comme je vous disais. Mince, qu'est-ce que je voulais dire déjà? Ah, je m'en rappelle plus. Tu me fais chier, toi, à parler de trucs là comme ça. Enfin. Bref, bon, je pense que après ce moment-là, je vais. Je m'arrêterai. Voilà, après avoir tué le deuxième boss à la tronçonneuse. Oh, dépenseur. Oui, voilà, je me disais bien que je l'avais vu. Oh. Bien joué. Il me prend de court. Donc, du coup, voilà. Après, je vous ai dit, ce n'est. Comme je le répète, hein, c'est pas plus linéaire que ça. Parce que voilà, le décor change, c'est toujours. Et puis c'est toujours sympa quand même de casser du zombie. On va pas se le cacher, hein. Non, mine de rien. C'est toujours sympa. Le Weblay là, mon petit flingue perso, franchement, il est vraiment sympa. Parce qu'en une balle tu les crèves, c'est. Bon, le penseur là, faut le. Voilà. Enfin, je sais même pas s'ils s'appellent des penseurs, en fait, moi j'appelle ça comme ça. Des kamikazes derrière moi. Et du coup, voilà, c'est vraiment. Non, c'est vraiment cool, franchement. Moi, je trouve que c'est un bon jeu. Après, donc, si vous aimez le zombie, il y a vraiment. Il n'y a pas. Oh, je suis un abruti d'avoir fait ça. J'ai pété une poulie en tirant sur des missiles. Bon, ça va, il nous en reste d'autres quand même. Du coup, voilà. Non, franchement, c'est vraiment sympa. Un kamikaze. Oh putain, non, 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 non. Oh, voilà, c'est ce que je m'attendais. Qui pète pas ici pour péter une autre poulie, c'est génial. Bon, il nous en reste une. Je peux pas passer par là. C'est génial. Du coup. Bon, il est dans cette maison, je vais le chercher. Enfin. Non, franchement, il est vraiment fun. Bon, assez gore, franchement, vous aurez des scènes, des backgrounds vraiment dégueulasses, mais vraiment, avec des maisons, avec des rituels sataniques, des 666 et des croix gammées partout. C'est super glauque, franchement. Bon, ça a pété. Oula, c'est qu'il est là. Elle est où la poulie? Oui, elle est là. Yes! Je l'ai démonté! Bon, mais voilà, putain, ben, je l'ai tué beaucoup plus rapidement que la première fois. Putain, qu'est-ce que j'ai galéré la première fois. Enfin. Bon, et ben voilà. Ah, ben tiens, un petit lingot, je l'avais pas vu. Oui, vous pouvez refaire les missions et tous les lingots que vous n'avez pas trouvés sont à nouveau là. Vous ne devez pas tous les re-retrouver. Ainsi, pareil pour les bouteilles. Hein, on peut recommencer la mission et le jeu tient compte de ce que l'on a trouvé ou non. Enfin voilà, c'est vraiment bien quoi. Après, c'est pas le jeu qui va vous dire ah ouais, bah, tu vas recommencer, bah, du coup, tu vas devoir te retaper les Easter à trouver. Oh, s'il vous plaît, quand même, merci. Non, voilà, franchement, c'est bien sympa. Bon, là, il y a un petit point de munition. Qui dit point de munition, ça veut dire qu'il va y avoir un point d'attaque quoi. Enfin, je veux dire, on va se faire dégommer dans 2 secondes. Avançons, avançons. Tiens, un panneau. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Gephar Osgra Bungs. Eh ben ça veut dire excavation dangereuse ça. Non, non, sans déconner, ça veut vraiment dire excavation dangereuse. J'ai fait déjà un premier passage en mode solo et j'ai fait des recherches sur internet, ça veut vraiment dire ça. Ça fait genre l'expert. Oh putain la bille quoi. Non, j'ai jamais fait allemand. J'ai deux trois petites notions mais je suis pas. Enfin voilà. Oh, Roms. Ouais, vas-y, jette là. Viens, viens voir. Ouais, il y a du peuple. Bon, t'as des munitions ici. Bliskawika. Celle-là, elle est vraiment bien comme en moto. Alors, si on allait par là-bas. Hop. Tiens, on va. De quoi? Attends. Non. Oh, il est con. Il m'a dit, tiens, regarde, on dirait Eden Hazard. Oh putain, il l'a pas respecté, le mec. Oh putain, le con. T'es un abruti. Enfin. Bon, c'est par où la sortie de cette grotte?
Alors, ça franchement, il faudrait vraiment que Sony puisse nous arranger la chose. Ah, les têtes. Bon, ça, ces différents boss deviennent plus faibles une fois qu'on a pété toutes les têtes. Hein, et en gros, faut les flinguer trois fois. C'est généralement des boss invoqueurs comme ça. Bon, ben là, c'est le même système. Faut péter les crânes autour des pylônes pour faire effondrer le tout. Ah, il y a masse de zombies qui arrivent, c'est cool. Aïe. Enfin, voilà. Du coup. Ouais, il faudrait vraiment que Sony nous trouve un truc pour que quand on enregistre, on puisse entendre le son du jeu tout en ayant la voix qui pourrait sortir de la télé. Et ça nous le fait pas. On a le son du jeu en dehors de la télé, on a. Mais voilà, les voix doivent sortir avec. On ne peut pas avoir par exemple son jeu dans les oreilles et voix à la télé par exemple ou des choses comme ça. Alors que sur Play 3, il y avait plein de mix que l'on pouvait faire avec les oreillettes Bluetooth. Et je trouve ça bien dommage de ne pas l'avoir sur Play 4. Hein. J'espère que ça arrivera très vite. Bon, il nous manque un pylône quand même. Faudrait essayer. Ouais, non, c'est bon, je suis là, je suis là. Allez. Ah ouais, mais il y en a beaucoup trop. Putain, je me fais démonter. La safe zone est derrière. Hein. Parce que, ouais, voilà. Une fois qu'on va devoir que tout sera pété, on va. Putain, j'arrive même pas à prendre la MG, quoi. On va devoir fuir parce que tout va s'écrouler. Il faudra fuir dans la safe zone. Enfin voilà, comme vous pouvez le voir, franchement, des zombies, il en manque pas. Ça défouraille de partout. Mais putain, mais il était dans mon dos, quoi. Non, mais j'ai cru que t'étais dans mon dos, toi. Et en fait, voilà, en fait, quand j'ai vu que j'avais pas de cover, allez, une, deux, trois, quatre. Oh, je suis en série. 5. Oh, à travers le corps, mon gars. PGM. Et voilà, fuyons. Voilà. Bon, mais autre safe zone. Bon, on n'en a pas encore fini, mais bon. Bon, mais écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là, parce que je sais qu'il y a encore pas mal de choses à faire jusqu'à arriver avant à la fin de cette mission. Comme vous pouvez le voir, quand même, ce sont des missions qui sont dans la continuité, qui ne s'arrêtent pas, qui sont assez longues. Donc, c'est plutôt cool. J'espère, du coup, que ce test vous aura plu. Sur ce, je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo test. Encore merci à Rome642 pour m'avoir accompagné. Je vous dis à très bientôt tout le monde. Rendez-vous dans un prochain test. Ah, ciao!